Thierry Plaza n'est pas un enfant de la vallée. Sa rencontre avec la Baume relève du hasard. Un hasard qu'il renouvelle à la moindre occasion. Il sillonne le pays pour son métier d'infirmier et y engloutit la plupart de ses temps libres. C'est au printemps, quand la nature revit, que les eaux se libèrent, qu'il aime parcourir cette rivière essentielle à son équilibre. Ah, la Baume, c'est mon petit coin de paradis. C'est l'endroit où je viens de me ressourcer. C'est l'endroit où je viens un petit peu oublier toutes les difficultés que je rencontre dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle. C'est un endroit où je viens me lessiver, quoi, me laver la tête. C'est ma psychanalyse, c'est une dame. Ah, ici, j'y suis venu un petit peu par dépit. Au départ, je pêchais un torrent de montagne, quoi. Parce que quand j'étais jeune, pour moi, la truite, il n'y en avait que dans les torrents de montagne. C'est un poisson de torrent, donc il fallait un torrent. Et puis un jour, ben, sans doute que le spot que je voulais pêcher était déjà pris, alors il a fallu que j'aille ailleurs. Je suis venu dans la grande rivière. Pour moi, cette grande rivière, c'était une rivière à poissons blancs. Je ne pouvais pas imaginer qu'il y ait encore de la truite là-dedans. Et puis finalement, je me suis aperçu qu'il y avait du poisson, du beau poisson. Et puis je me suis surtout rendu compte que j'étais sûrement passé à côté de très belles pêches quand j'étais jeune. Là, les eaux sont encore froides. Là, on sort d'un hiver quand même assez dur. Il y a eu beaucoup de pluie ces derniers temps. Donc là, ça n'a encore pas eu le temps de vraiment se réchauffer. Là, l'eau est à 16 degrés à peu près. Mais bon, après, à partir de ce niveau-là, même en été, ça ne monte pas beaucoup plus, quoi. Ça monte à 18, mais là, on est quand même à presque 500 mètres avec un régime torrentueux. L'eau reste froide. Donc c'est l'idéal pour la truite. Hein. La Baume, c'est une rivière un petit peu variée. Elle est assez large, assez ouverte sur le bas, avec un débit quand même important parce qu'il y a déjà 2-3 petits affluents qui l'ont grossi. Donc c'est une rivière avec des grosses vasques, avec des gros plats. C'est une rivière là, à cet endroit-là, un petit peu plus technique, puisqu'il faut faire des posées un petit peu plus jolies pour pas effrayer la truite. Puis plus on monte, et puis plus on tombe sur une rivière torrentueuse, avec toujours des vasques, mais beaucoup plus petites, des trous profonds, d'un bleu turquoise, parfois d'un noir profond aussi, parce qu'il y a des vasques qui font au-delà de 5 mètres, je pense, de profondeur. Et puis toujours des belles surprises, beaucoup de truites moyennes, mais aussi de temps en temps de très belles truites. Moi, quand j'ai débuté ici, j'étais l'un des rares à pêcher la mouche, pas le seul, parce que... Mais c'est vrai qu'ici, c'est plutôt une vallée où on pêche au toc. Bon, maintenant, on pêche un petit peu à la mouche de partout, et c'est pas plus mal. Là, j'ai mis une mouche plus petite. Parce que bon, il ne se passait pas grand chose sur les mouches plus grosses. Ceci dit, il n'y a pas vraiment d'insectes à la surface, il n'y a rien qui éclot. Je pense que le temps orageux y est aussi pour quelque chose. Je préfère avoir des mouches qui flottent, parce que sur les torrents, c'est indispensable de voir sa mouche. Des mouches qui sont visibles. Et puis j'ai un petit faible pour tout ce qui est fait en poils de chevreuil. Après, tout ce qui est couleur, tout ce qui est taille, de toute façon, les insectes sont un peu les mêmes partout. Hein. Là, on est dans un secteur granitique sur une rivière qui est de type Sévenol, c'est-à-dire un étiage relativement sévère en été, des eaux quand même assez basses et une capacité à avoir des crues phénoménales. Passer de 1 mètre cube à 100 mètres cubes au moment d'une crue, avec d'une année sur l'autre des trous qui sont complètement reformatés, bon, des troncs arrachés. Et la truite autochtone sait s'adapter à ce genre de phénomène. Elle a toujours vécu ici dans de telles conditions. Mais bon, quelque part, c'est un petit peu la vie de la rivière et la vie de la nature, quoi. Là, on arrive sur une magnifique vasque. Il m'a semblé voir un gobage là, dans la veine. Je vais essayer de ne pas trop m'approcher.
pour essayer de ne pas trop les faroucher. Je pense que dans la journée, là, il y a eu des baigneurs, donc elles doivent être un petit peu aux aguets. Là, c'est des grosses vasques très très profondes. Souvent, les truites sont tout au fond et elles montent comme des balles pour aller récupérer la mouche qui passe. J'ai plein de souvenirs et puis des belles histoires, mais aussi des galères, des belles chutes dans cette rivière. Bon, j'ai pêché avec des sangliers, avec des castors, avec des couleuvres, avec des copains qui se foutaient un petit peu de moi parce que dès que je pointe mon nez quelque part, il arrive quelque chose d'un petit peu bizarre. Un orage qui tombe là où on est, la foudre qui enflamme les genêts, tout des délires comme ça. Bon, des histoires qu'on se fait quand on est jeune. Bon, la vérité, il y a quand même un fond de vérité là-dedans. C'est vrai qu'après, on en rajoute et puis au fil des années, je deviens un petit peu le chat noir dans cette vallée, quoi. Pour Thierry, les détours de la Baume sont l'occasion de rencontrer d'autres hommes fascinés par l'authenticité des lieux. L'infirmier vient toujours saluer Hervé Garnier. Ce maçon, installé depuis près de 40 ans au bord de la rivière, s'est pris de passion pour une vigne accrochée au coteau. Une vigne d'un cépage interdit, le jacquet. L'histoire remonte aux années 30. Le cépage est alors utilisé par les paysans pour leur propre consommation. Prétextant que le jacquet rend fou, la loi oblige les paysans à arracher leurs vignes. Ce n'est qu'un moyen pour commercialiser les vins du Languedoc et de la colonisation en Algérie, pour mieux transformer les paysans en consommateurs. Hervé Garnier est devenu l'irréductible défenseur de cette vigne interdite. Salut Hervé. Ah, salut Thierry. Tu vas bien? Ouais, la pêche était bonne? Moyen. Ouais. Encore... Les niveaux sont corrects, mais t'as pas eu trop d'eau, toi? On a eu ce qu'il fallait, mais même un petit peu, peut-être pour la vigne. Ça fait de jolies pousses, quoi, de belles pousses. On était inquiets parce que l'année dernière, on a eu la grêle. Et donc, on avait taillé très très court. Et tu vois, ça fait à nouveau des belles grappes. Il y a quand même quelques grappes. On aura une petite récolte, mais bon, c'est comme ça. Et ici, dans les Cévennes, c'est une vigne qui a permis à de très nombreux vignerons, à très nombreux petits paysans cévenols de vivre. Tout le coteau ici était planté en vigne, y compris les sapins qu'on voit là-bas, c'était de la vigne. Il y a près de 150 hectos qui sortaient de ce coteau. On a des vignes plus que centenaires ici. Ouais. Celle-là doit avoir au moins 130 ans. Magnifique. Ça fait un pied et encore, on voit qu'il est encore... Oui, il produit encore. Voilà, il y a encore de la production, il est encore en pleine forme. Ce qui est très rare, une vigne de centenaire soit assez rare. Et dans la vallée, ça c'est une des dernières, peut-être même la dernière où encore il y a la cueillette se fait et où le vin est vinifié. C'est pas la dernière au monde parce qu'on va trouver du jacquet au Brésil, on va trouver du jacquet au Pérou, au Texas. Il y a un Texan qui vient nous rendre visite début juillet. Il est curieux de voir le jacquet français. Ouais, dans le monde, on continue quand même à le... Oui. On a eu, ça rend fou uniquement les Français. Non, ça ne rend fou personne, ça. Il faut rassurer. Contrairement à ce qui était dit à une époque, <c'est pour> ça. On peut boire du jacquet modérément, évidemment. À 13 degrés, il faut quand même penser à l'alcool. Mais il n'y a pas de danger à boire du jacquet. Ok Thierry, bonne pêche. Merci pour la visite. Et à ce soir à la maison. Bon petit verre. Je compte sur les truites. Hein. À ciao. Là, je la sens pas bien, la situation. Je sais pas, elles ont pas l'air vraiment... Elles sont pas mordeuses. Il y avait un beau poisson là, mais que j'ai vu partir de très loin. Donc, à mon avis, même en approchant, elles ont pas l'air très, très coopératives. Je crois que c'est un poisson blanc. C'est un blageon.
C'est des poissons de rivière vive qui ont tout autant leur droit de cité dans la rivière que les truites. Ouais, chaque pêcheur recherche un petit peu ce qu'il veut dans ses rivières. Moi, je suis plutôt du style contemplatif. Ouais, il m'arrive de pêcher et puis de plus du tout regarder ma mouche, de regarder une couleuvre qui est à mes pieds, un castor qui est cavé comme on a pu le voir contre une roche ou un oiseau qui passe. Et puis ma mouche, je m'en occupe plus. J'entends un plouf, je ferre. Elle est pendue, elle n'est pas pendue, mais c'est vrai que on est on est au milieu d'un paysage tellement magnifique que des fois on en oublie qu'on est en action de pêche. C'est une vallée un petit peu fermée, donc forcément, comme toutes les vallées fermées, les accès sont difficiles, alors forcément, il n'y a quand même pas trop de pêcheurs. Alors maintenant, il y a aussi les facilités Internet qui a ouvert un petit peu le monde à tout le monde, et c'est vrai que ça fait venir un petit peu de monde. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Là où il y a de l'eau, il y a de la truite, donc il suffit de prendre une carte, on trouvera toujours un endroit pour pêcher. Bon, là c'est mon paradis, là c'est sûr qu'il faut pas trop être nombreux sur mon paradis quand même. Pas de bien là. Bon, je vais te faire goûter la chose. Alors oui. Je livre mes 36 bouteilles à un congrès où il y avait l'inauguration d'une salle polyvalente. Donc il y avait tous les maires, beaucoup de maires du sud Ardèche, là il y avait une centaine de personnes. Quand il y a 100 personnes et beaucoup de maires, tu as le préfet, le sous-préfet, le conseiller général, enfin après tu as les huiles quoi, tu vois. Les 36 bouteilles ont été bues en 5 minutes si tu veux, ils se l'arrachaient parce qu'il n'y avait même pas assez. Et alors, ils ont tous goûté ça. Ils avaient tous les lèvres bleues. C'était le vin était jeune. Ils avaient les lèvres un petit peu bleues. Petit poil les dents. Il y en a qui a dit au préfet, oh, mais ça, vous savez, vous buvez du vin interdit. Oh, interdit, interdit, tu vois. Au départ, ce qui me motive, c'est le paysage. L'idée au départ, c'est de garder en vigne un genre de monument. Cette vigne est absolument splendide. Il y a pratiquement autant de surface de mur que de surface de sol. Ça fait partie du patrimoine, on va dire, paysager ardéchois. C'est très important de la garder en vigne. Ensuite, le fait que le cépage ait été interdit, et en remontant un petit peu la filière, on se rend compte qu'il n'y a pas de logique, il n'y a aucune raison pour qu'il ait été interdit. Et on attend toujours la levée de l'interdiction. Bon, Thierry, allez. Santé aux pêcheurs. À ta vigne. Allez, à nous. Et nous encore. Et à nous.